trouver la vérité. Dans ce monde qui veut tout oublier, le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai, pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment. Dieu soit loué. Amen. C'est toujours une grande joie pour moi de tenir devant le peuple de Dieu. Et je suis vraiment dans la joie pour retrouver encore une fois le peuple de Dieu. Vous savez, prêcher, c'est bien, mais c'est aussi une charge. Amen. Hein? Amen. Vous savez, quand vous vous retrouvez devant le peuple de Dieu, je me rappelle des fois. Ma femme, elle se pose, comme toute autre femme, elle se pose des questions. Qu'est-ce que nous allons manger? On a tout mangé, qu'est-ce que nous allons manger? Il nous arrive aussi des prédicateurs, qu'est-ce que je vais apporter au peuple de Dieu? Et gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Dieu, étant fidèle, il sait ce que son peuple a besoin. Amen. Hein? Dieu, il sait ce que son peuple a besoin. Et ce matin, nous allons partager ensemble un verset biblique, une histoire, peut-être tu le connais, mais comme Dieu ne manque jamais de paroles, nous allons lire dans Luc chapitre 7, Luc chapitre 7, versets 11 à 17. Je lis la parole au nom de Jésus. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen.
L'Éternel, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous te disons merci parce que tu es notre Père. Et tant que Père, Seigneur, je les recommande entre tes mains. Père, tu connais ce peuple qui est venu devant toi. Ils sont venus avec le même vide. Mais ma prière est que, Seigneur, oh Dieu, que personne ne sorte de ce lieu de la même manière qu'elle est venue. L'Éternel, notre Dieu, je confie ce peuple entre tes mains. Tu connais les désirs. Tu connais la situation de tout et chacun. Tu connais les préoccupations de tout et chacun, mon Dieu, mon roi. Oui, mon Dieu, mon roi. Bénis, Seigneur, ce peuple. Bénis, Seigneur, cette parole que nous voulons entendre ce matin. Que je sois un simple instrument, Seigneur, par lequel tu vas utiliser. Que je me taise, Seigneur. Mets tes paroles dans ma bouche, oh Dieu, afin qu'ils sortent des oracles, Seigneur, venant de ta part. Seigneur, je repousse toute la puissance de l'ennemi, tout esprit de distraction, tout esprit de sommeil, tout esprit de somnolence, tout ce qui viendra perturber, Seigneur, cette réunion. Père, nous l'envoyons au lieu le plus haï par le nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre un culte agréable, un culte digne de ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Gloire encore une fois soit rendue à notre Dieu. Avant que je ne puisse commencer, tu vas regarder ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi. Dis-lui, dis-la que tu as un grand Dieu. Tu as un grand Dieu. Amen. Hein? Bien aimé, la chanson que nous venons de chanter. Excusez-moi. Nous avons chanté, nous avons un grand Dieu. Et ce matin, je voulais dire à une personne que ne pleure pas. Alléluia. Ne pleure pas. C'est ce que la parole de Jésus-Christ a parlé ou a dit à cette femme. Ne pleure pas. Bien la même histoire que nous venons de lire, il s'agit de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Naïm, c'est une petite ville, c'est un petit village qui est situé à côté de Capernaum, où avant, si nous lisons le chapitre 7 au commencement, la Bible dit que Jésus-Christ vient de guérir le serviteur d'un centurion. Ce dernier était au point de mourir. Il était sérieusement malade, mais Jésus-Christ l'a guéri. Amen. Hein? Et ma parole nous dit que Christ l'a guéri. Et le jour suivant, avec la foule, ils ont pris la route. Ils ont pris la route direction Naïm, qui était située à peu près dans les 45 ou 48 kilomètres de Capernaum. Et la Bible dit que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Jésus-Christ s'est retrouvé avec une grande foule. Il y avait ses disciples et il y avait aussi les gens qui étaient autour de lui. Une foule joyeuse, une foule heureuse. Parce qu'ils ont vu la main de Dieu. Parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu se manifester dans la vie du serviteur. Sentinel. Ils ont vu la main de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Et ils ont accompagné Christ. Pour lui dire que là où Jésus-Christ est là, il y a toujours la joie. Là où Jésus-Christ est là, il y a toujours la paix. Là où Jésus-Christ est là, il y a toujours une délivrance. Comme lui-même l'a dit,
Je suis venu dans le monde pour donner la paix à ceux qui sont un peu perturbés, pour donner la guérison à ceux qui sont malades, pour délivrer ceux qui sont en captivité. C'est cette foule qui suivait Jésus-Christ. C'est cette foule qui accompagnait Christ. Et la Bible dit, cette foule le suivait. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, on dit que voici, on portait en terre un mort. On emportait en terre un mort. La Bible ne nous dit pas le nom de ces garçons. La Bible ne nous parle pas du nom de la veuve. Mais il nous dit, la parole nous donne deux mentions. La première est que cette femme était veuve. Deuxième est que elle avait perdu son fils. Bien-aimés, nous devons savoir comme moi, dans l'Israël antique, perdre un mari dans fleur d'âge, comme on peut le dire, c'était un signe de malédiction. C'était un signe de punition. Parce que si vous lisez dans David, où la parole de Dieu nous dit, Rite chapitre 1, verset 20, si vous commencez avec, c'est l'histoire de Naomi, où quand elle a sorti avec son mari Élimélec, quand ils sont sortis de Bethléem pour aller à Moab, la parole nous dit que Naomi, elle avait perdu son mari et ses deux enfants. Voilà pourquoi dans le verset 21, dans le verset 20, il dit, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel m'a ramené, et l'Éternel me ramène de ma vie. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi? Alléluia. Donc cette femme, elle s'est retrouvée dans une situation de punition. Mais en réalité, ce n'était pas une punition. Cette femme a perdu son mari. Et quelques années encore, elle a perdu son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui nous arrivent, qui peuvent arriver dans la vie. Tu peux prétendre que c'est Dieu qui te punit. Tu peux prétendre que c'est la punition de Dieu. Tu peux dire que c'est un jugement de Dieu. Loin de là, mon frère et ma soeur. Vous savez, il y a certaines personnes ou certains hommes de Dieu ou certains frères qui viennent te dire, ma soeur, si tu vis cette situation, il faut bien regarder ta vie chrétienne. Il faut regarder ta vie chrétienne. Parce que je ne crois pas. Étant que chrétien, tu ne peux pas subir ça. Moi, je suis sûr et certainement, c'est la punition de Dieu. À un moment donné, quand ma fille Naomi était malade, il y a une sœur qui est venue, parce que Naomi, quand elle avait au moins 1 an, 2 ans, elle était souvent malade. Il y a une sœur qui était venue me voir, elle m'a dit, faut que tu aies bien ta vie, hein. Mais pourquoi ta fille est toujours malade? Pourquoi elle est toujours malade? Moi, je dis, non, mais pourquoi? Et je ne sais pas, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait ça. Je ne sais pas. Et si tu n'es pas solide dans la foi, tu vas commencer à te poser des questions. Tu vas te rappeler peut-être le péché que tu as commis il y a 30 ans passé. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, ça fait 20 ans qu'il est dans la vie chrétienne, mais elles confessent toujours le péché qu'il a commis pendant qu'il y a 20 ans passé. Ah, peut-être parce que tu as avorté, voilà pourquoi il y a ceci. Parce que peut-être tu avais insulté ta mère, voilà les conséquences. Et cette femme, peut-être elle s'est retrouvée dans cette situation. Elle avait perdu son mari et elle a perdu son fils.
Et certainement, son fils était là pour le consoler. Elle avait son mari qui supportait les poids financiers. C'est le mari qui apportait quelque chose dans la maison. Du jour au lendemain, le mari est mort. Et après quelques années après, son fils est décédé aussi. Cette femme, elle s'est retrouvée dans le désespoir total. Spirituellement, financièrement, matériellement, elle était désespérée. Son unique fils, si elle en avait deux, on pouvait comprendre. Si elle en avait trois, on pouvait comprendre. Mais elle n'en avait qu'un. L'unique fils qui vient de décéder. Comment pouvons-nous la consoler? Comment pouvons-nous consoler cette femme qui a tout perdu dans sa vie? Elle était désespérée. Il y avait peut-être des idées dans sa tête qui passaient. De se suicider parce qu'elle avait tout perdu. Elle n'avait plus d'espoir. Son unique espoir, c'était son fils. Et du jour au lendemain, il est aussi décédé. Et la Bible dit que lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était père. Et il y avait elle, avec elle, beaucoup de gens de la ville. De l'autre côté, il y avait encore une autre foule, un cortège de funérailles. On se retrouve avec deux cortèges. Le premier, c'était avec Christ, une foule joyeuse, une foule heureuse, une foule heureuse, une foule qui dansait. Et de l'autre côté, il y avait ces cortèges de pleurs, des grincements de dents, des lamentations, des tristesses. Et le deux cortèges devaient se croiser. Et la parole nous dit ceci, qu'il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Et les deux cortèges se sont croisés. Maintenant, nous pouvons retourner un peu à l'arrière. Christ, il était à Capernaum. Il s'est déplacé pour aller à Naïm. Alléluia. Il s'est déplacé de Capernaum, aller à Naïm. Parce qu'il avait un but. Maintenant, je ne sais pas si cette femme, pendant qu'elle pleurait son fils, la Bible ne le dit pas, si elle pleurait, Seigneur, fait quelque chose, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette femme priait qu'elle fasse quelque chose, que le Seigneur fasse quelque chose pour son fils, je ne sais pas. Mais une chose, c'est que si la Bible nous dit que après avoir guéri le fils de Centurion, Christ s'est mis de vous pour aller à Naïm. Avec un objectif précis. Celui de rencontrer une personne. Celui de rencontrer une personne qui était dans une détresse totale. Qui était dans une détresse totale au point même de se suicider. Et Christ s'est levé pour aller rencontrer cette femme. Mais dans tous les évangiles, il n'y a que lui qui parle de cette parole. Et vous remarquerez qu'avec moi, dans tous les miracles que Christ a fait, dans toutes les résurrections que Christ a fait, la plupart des cas, ce sont la famille qui demandait. C'est la famille qui demandait de faire quelque chose. Mais ici, c'est Christ lui-même qui a pris l'initiative. Alléluia. C'est Christ lui-même qui a pris l'initiative d'aller voir la veuve. C'est Christ lui-même qui a pris l'initiative d'aller voir la veuve.
Et la Bible dit ceci, le Seigneur l'ayant vu. Alléluia. Le Seigneur l'ayant vu. Oh Jésus. Le Seigneur l'ayant vu. Bien-aimé, Christ s'est déplacé de Capernaum à Naïm. Et quand ils sont croisés, la Bible dit que le Seigneur l'ayant vu. Oh, ma prière ce matin, que le Seigneur te voie. Amen. Que le Seigneur te voie dans ta tristesse. Que le Seigneur te voie dans ta détresse. Que le Seigneur te voie dans ta situation. Alléluia. Oui, bébé, notre Dieu voit tout. Amen. Notre Dieu voit tout. Là où les médecins ne voient pas dans les IRM, dans les radios, dans les scolaires, mais notre Dieu voit tout. Amen. Alléluia. Bébé, il y avait des gens, il y avait une foule qui accompagnait cette femme. Peut-être qu'on l'avait consolée. Mais la consolation de la foule ne suffisait pas. Vous savez, il y a des fois, tu consoles ton frère quand il aime. Tu consoles ton frère quand il perd un cher. Tu lui dis des mots. Mais toi-même, en toi-même, tu te poses, est-ce que c'est vraiment ce que je lui ai dit? Il va les retenir. Est-ce que vraiment il est consolé? Cette femme était pareille parce qu'il y avait des gens autour d'elle qui la consolaient. Mais sa consolation n'était pas parfaite. Et la Bible dit que le Seigneur lui a envie. Et pour te dire, mon frère et ma soeur, là où tu es, le Seigneur t'est volé. Il y avait une foule. Mais quand le Seigneur a vu cette femme, la Bible dit que le Seigneur lui a envie. Ils étaient beaucoup dans la foule. Elles étaient beaucoup de femmes. Mais le Seigneur a reconnu à cette femme que c'est elle qui est en souffrance. C'est elle qui est en détresse. C'est elle qui souffre. Alléluia. Même tel que nous sommes là, le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur connaît la personne qui est en détresse. Elle te connaît. Elle te connaît. Il te connaît. Il me connaît. La Bible dit que l'œil en vue. L'œil en vue. Parce que notre Dieu, il voit nos cas. Il voit nos sorts. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Et lui, notre Dieu, il voit avec un cœur ou avec un œil d'amour. Parce qu'il est Seigneur. Et la Bible dit que le Seigneur lui a vu. Et la deuxième, la Bible dit qu'il fut ému de compassion. Alléluia. Amen. Le Seigneur fut ému de compassion. Quand il a vu cette femme, la Bible dit que le Seigneur fut ému de compassion. Mais dans tout le passage, dans tout le miracle que Christ a fait, nulle part vous ne trouverez ce passage où Christ a été ému de compassion. Et j'ai vu dans le dictionnaire, compassion, c'est, ça veut dire sentiment de pitié qui nous rend sensible au malheur d'autrui. Alléluia. Donc sentiment, c'est un sentiment de pitié ou de miséricorde qui nous rend sensible au malheur d'autrui. Christ a compati avec cette femme. Christ a eu pitié de cette femme. Parce que cette femme, elle était dans la détresse totale. Ce matin, ma prière était que le Seigneur puisse avoir compassion de quelqu'un ce matin. Amen. Que le Seigneur puisse avoir pitié de quelqu'un, la miséricorde de quelqu'un. Le Seigneur n'en a pas vu seulement, mais il a eu pitié d'elle. Le Seigneur a eu pitié d'elle. Et le Seigneur a partagé la douleur de cette femme. Vous savez, cette femme, nous pouvons le lire, nous pouvons le décrire, c'était une femme qui était désespérée. Totalement. Et elle ne savait pas que Christ allait voir
Christ allait passer sur son chemin. Elle ne savait pas, mais Christ, il savait qu'il y a une femme qui est dans la détresse. Mais c'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un ce matin. Ne pense pas que quand tu pries, que Dieu ne te voit pas. Ne pense plus, pense pas que quand tu pries, Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Mais il attend un moment propice pour venir en aide. Il attend un moment propice pour te délivrer de ta maladie, de ta souffrance. Cette femme était dans la détresse totale. La Bible dit qu'il fut ami de compassion pour elle. Christ a partagé la douleur avec cette femme. C'est-à-dire, comme nous avons lu dans Esaïe, si tu lis Esaïe 53, tu verras ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Et comme nous l'avons dit, comme nous avons l'habitude de chanter, et à la croix, il y a une transmission. C'est-à-dire, tout ce qui était en nous, Christ l'a pris. Et tout ce qui était en nous, Christ l'a pris aussi. Alléluia. Amen. Il y a une inversion des choses. Christ a compati avec cette femme. Christ, la Bible dit qu'elle était émue de compassion pour elle. Et Christ l'a vue. Il a compati avec elle. Et la troisième chose que Christ l'a vue, femme, ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Ne pleure pas parce que ta situation va changer. Ne pleure pas parce que ta détresse va se transformer. Ne pleure pas parce que ta maladie va se transformer. Ne pleure pas parce que ton sort ne sera plus le même. Ne pleure pas parce que tu as devant toi celui qui est capable de te donner la vie. Alléluia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Mais peut-être tu as permis un être cher. Tu as permis quelque chose, je ne sais pas. Cette femme, pour elle, c'était son fils unique. Je ne sais pas qu'est-ce qui est unique en toi. Peut-être que tu as permis un fiancé ou une fiancée. Peut-être que tu as permis un emploi qui était cher pour toi. Peut-être que je ne sais pas qu'est-ce que tu as permis dans ta vie. C'était cher pour toi. Mais sache que, ma soeur, mon frère, pendant que toi tu dors, pendant que toi tu te lamentes, il y a une personne qui était à Capernaum qui va se déplacer aujourd'hui et il va aller à ta rencontre. Pendant que toi tu te lamentes, il y a Jésus-Christ qui va quitter Capernaum pour aller à Naïm. Oh, gloire soit rendue à notre Dieu. Oui, ne perds pas. Ne perds pas, mes bien-aimés. Oh, il y a encore un homme dans la Bible. Dans Apocalypse chapitre 5, il y a encore un homme. Lui aussi, il avait beaucoup pleuré. Il avait beaucoup pleuré. C'était Jean dans l'île de Patmos. La Bible dit ceci. Jean, il pleurait, il dit, et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et la rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, il a regardé, Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un de mes me dit, ne pleure point. Ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la ville a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Amen. Jean pleurait, il pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir ses livres. Mais l'ange me dit, ne pleure pas, parce qu'il y a un agneau, le lion de la tribu de Juda. Lui qui est capable d'ouvrir ses murs. Oui, je vais dire à quelqu'un ce matin encore. Le lion de la tribu de Juda, il est là. Tu as beaucoup pleuré dans ta situation, dans ton cas. Mais
Jésus-Christ est là pour te consoler ce matin. Tu as beaucoup pleuré. La consolation des hommes ne suffit pas. La vraie consolation, c'est celle qui vient de la part de notre Dieu. Parce que quand il vient, il bande le plaie. Il bande le plaie. Le Seigneur est venu pour consoler cette femme. Elle a dit, ne pleure pas. Ne pleure plus, femme. Ne pleure plus parce que ta situation va changer aujourd'hui. Oh, je bénis le Seigneur parce que cette femme, la Bible ne dit pas qu'elle avait la foi. La Bible ne le dit pas. Parce que comme je l'avais dit au début, dans beaucoup de cas, Jésus-Christ disait, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a fait ceci. Mais ici, la Bible ne le dit pas. Et la Bible dit, il s'approcha. Il y a une telle cortège de la joie et le funéraire. Mais comme nous pouvons le dire, nous pouvons le savoir. La Bible dit que ceux qui le portaient s'arrêtaient. Chose étrange. Il y a une telle cortège. Le cortège de la mort et le cortège de la vie. Le cortège de la joie et le cortège de peur. Et comme nous le savons, il est de coutume, quand le cortège de la mort passe, souvent les gens s'arrêtent pour faire passer la mort. Parce que on a toujours dit qu'il faut respecter les morts. Mais chose étrange, quand Christ est venu, la parole nous dit que c'est le cortège de la mort qui s'est arrêté. Oh, non, Dieu. C'est le cortège de la mort qui s'est arrêté pour nous dire que Christ a une domination sur la mort. Alléluia. Christ a une domination sur la mort. Parce que le cortège de la mort ne pouvait pas arrêter le cortège de la vie. En lui, il portait la vie. En lui, il portait l'abondance. En lui, il portait la joie. Voilà la raison pour laquelle ce cortège de la mort ne pouvait pas contredire, ne pouvait pas faire quelque chose devant le cortège de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Christ est la vie. Christ est la vie. La Bible dit, quand il a dit à cette femme, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Et nous regarderons que Christ n'a plus parlé à cette femme. Christ n'a plus parlé à cette femme. Et la Bible dit, elle toucha le cercueil. Elle toucha le cercueil. Vous savez, bien aimé, dans les temps anciens, on n'avait pas le droit de toucher le cercueil ou les morts. C'était une sorte d'impureté. Alléluia. C'était une sorte d'impureté. Voilà encore une fois la richesse de la parole. Christ a touché le cercueil. À mon avis, les gens qui étaient autour de lui, ils se disaient, mais comment il peut toucher un mort? Comment il peut toucher ses morts? Parce que c'était une sorte d'impureté. Mais Christ a touché. Christ a touché le cercueil pour dire que c'est lui qui détient la vie. C'est lui qui détient la puissance de la mort. La mort ne peut pas résister devant Christ. Et il toucha le cercueil. Oh, bien-aimé, il y a quelque chose qui est mort en toi. Ma prière que ce matin, que le Seigneur touche. Que le Seigneur te touche ce matin. Que le Seigneur te touche ce matin. Que le Seigneur te touche. Et il a dit, ceux qui portaient sa lettre, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi et les morts s'assient. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit qu'il toucha le cercueil. Il toucha le cercueil. Le cercueil qui peut symboliser beaucoup de choses dans ta vie. Les liens, les forces, les tempêtes qui t'empêche de progresser. Le Seigneur veut toucher ce qui est mort en toi.
Mais Seigneur, veut toucher les situations qui t'apparaissent dans la vie. Il veut les toucher. Vous savez, il y a des fois, tu pries parce qu'à cette femme, elle ne perd pas. Garde maintenant le silence. Tu vas voir comment moi je vais agir. Tu vas voir comment moi je vais agir. Toi, reste maintenant calme. Oh, peut-être, cette femme ne savait pas à qui il a affaire. Il ne savait pas, peut-être, elle ne savait pas à qui il a affaire. Mais notre Dieu est grand. Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu peut faire des choses que le monde ne peut pas faire. Vous savez, il y a des situations, comme je l'ai dit au début, il y a des fois des situations qui nous arrivent. Tu écoutes la parole de Dieu, mais à un moment donné, quand tu te retrouves tout seul, tu te dis, est-ce que vraiment, réellement, Dieu peut faire quelque chose pour moi? Est-ce que Dieu peut faire vraiment quelque chose dans cette situation? Est-ce que Dieu peut vraiment me sortir de cette situation? Tu mets des doutes dans ta vie. C'est ce qui s'est passé avec Marie et Marthe. Le Seigneur a dit que votre frère va ressusciter. Et Marie et Marthe ramènent le miracle de Christ au lendemain. Il dit, oui, nous connaissons, mais au dernier jour. C'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Le Seigneur te donne. Le Seigneur te donne une parole. Le Seigneur te donne une parole. Mais parce que tu es dans les doutes. Parce que tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Parce que tu ne crois pas que tu as un Dieu qui est grand. Parce que tu ne crois pas que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Tu te dis que non, il est impossible. Mais nous devons savoir que le bien-aimé, notre Dieu est grand. Notre Dieu peut faire quelque chose dans la vie d'une personne. Ne pleure pas, parce que ta situation va changer. Cette femme était dans la détresse totale. Était dans la détresse totale parce qu'elle avait tout perdu. Financièrement, moralement. Bien qu'il y ait des gens qui la consolaient, mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas. Et cette femme, la Bible dit qu'ils étaient déjà presque d'enterrer son fils. Ils étaient déjà prêts d'enterrer son fils. Et Christ est venu à son secours. Alléluia. Mais même pendant que tu te crois que tout est fini, il n'est pas encore fini. Tant que Christ n'a pas encore dit de son dernier mot, il n'est pas encore fini. Alléluia. Tant que le Seigneur n'a pas encore dit son nom, tant que le Seigneur n'a pas encore résolu ce qu'il a promis pour toi, tu ne mourras pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne mourras pas parce que Christ a quitté Capernaum. Son but, c'était d'aller ressusciter le fils de cette veuve. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit, lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort. C'est-à-dire, dans l'état, on enterrait les morts en dehors de la ville. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'il s'apprêtait pour enterrer le fils, pour préparer les trous, Christ, il est apparu. Alléluia. Ma prière est que pendant que toi, tu te poses des questions, tu es au point de faire une marche arrière, que le Seigneur te rencontre aujourd'hui. Amen. Que le Seigneur te rencontre aujourd'hui, comme il a fait avec cette femme. Il était au point d'enterrer son enfant. Et Christ qui s'est présenté. Que Christ te présente pour ta situation. Que Christ te présente pour ta situation. Et ce matin, il te dit, femme, ne pleure pas. Homme, ne pleure pas. Parce que ta situation va changer. Amen. Parce que ta situation va changer. Amen. Mais nous pouvons dire beaucoup. Mais le temps est imparti. Ce que nous devons savoir est que la première chose, quelle que soit la situation,
Le Seigneur est toujours là. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, quel que soit le cas, quelles que soient les difficultés que tu peux traverser, sache que le Seigneur est toujours là. Amen. Amen, hein? Amen. Le Seigneur est toujours là. Et comme il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Amen. Est toujours à l'œuvre. Amen. Et il est toujours au contrôle de toutes les situations. Une situation peut m'échapper. Une situation peut t'échapper. Mais aucune situation ne peut échapper au contrôle de Dieu. Amen. Amen. Hein? Aucune situation ne peut aimer. Aucune. Aucune. Et la deuxième chose que nous pouvons savoir, bien-aimés, que tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce. Cette femme a bénéficié de la compassion. Cette femme a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle n'a pas mérité. Elle n'a pas mérité. Mais c'est une grâce qu'elle a obtenue de la part de notre Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois savoir que tout est grâce dans la vie. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Tu ne peux pas jamais se pays. Si tu as quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Cette femme a bénéficié de la grâce de Dieu. Elle n'a fait aucun effort. Mais elle a bénéficié de la grâce de Dieu. Et nous devons savoir que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. Alléluia. Amen. Si nous lisons dans le verset 17, la Bible dit, verset 16, tous firent saisir les craintes et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'aventure. Alléluia. Amen. Mais nous devons savoir que tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour la gloire, pour sa gloire. Amen. En d'autres termes, Dieu est intentionnel. Alléluia. Amen. Dieu est intentionnel. C'est-à-dire, Dieu, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il fait, il ne recherche que sa gloire. Amen. Il ne recherche que sa gloire. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as un bon mari, si aujourd'hui tu as un nom élevé, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Si aujourd'hui tu sers Dieu, on t'appelle un grand ministre, c'est pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous sommes créés par Dieu, mais pour Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Nous comprenons par Dieu, mais nous ne comprenons pas pour Dieu. Alléluia. Nous sommes créés par Dieu, mais pour Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu est intentionnel. Et il y a certains versets de la Bible qui a dit que tout ce que vous ferez en parole ou en acte, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout ce que nous faisons, c'est intentionnel. Dieu pour la gloire de Dieu. Si nous sommes ici, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour la gloire d'une autre personne. C'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il a dit encore une fois dans la Bible que il a dit, dans la parole de Dieu, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire, Dieu ne cherche que en notre terme, il ne cherche que son intérêt. Tout ce que nous pouvons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Et s'il a quitté Capernaum, s'il a quitté Capernaum pour aller à Naïm, c'était pour que sa gloire puisse se manifester. Amen. Alléluia. Amen. C'était pour que sa gloire puisse se manifester. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans tout ce que tu peux faire, tu dois chercher que tout ce que tu peux faire ne soit que pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu as, quel que soit
tu dois savoir que c'est pour la gloire de Dieu et que dans toute chose, notre Dieu est, c'est un Dieu intentionnel. Dieu te connaît, Dieu me connaît. Ne pense pas que Dieu t'a oublié, mais Dieu te connaît. Notre Dieu, c'est un Dieu grand. Et ce matin, il te dit, mon frère, ma soeur, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas pour ta situation. Ne pleure pas parce que celui qui est l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, il est capable de ressusciter ce qui est mort en toi. Je ne sais pas ce qui est mort en toi. Cette femme, elle avait tout perdu. Elle avait perdu son mari. Elle a perdu son fils. Mais la Bible dit que dans le verset 13, Jésus l'ayant vu, émis de compassion. Et il a dit, ne pleure pas. Bébé, ce matin, Dieu te voit. Dieu voit ton cas. Dieu voit ta situation. Et il te dit, il veut se compatir avec toi. Jésus-Christ a la compassion de toi. Il veut partager ta douleur. Il veut partager ce qui t'aime, ce qui te touche au fond de toi. Et il te dit, ne pleure pas. Parce que le Fils va être ressuscité. Ce qui est mort en toi, Christ va le ressusciter. Aie confiance en ce Dieu-là. Aie confiance en ce Dieu-là. Parce que notre Dieu est réel. Vous savez, il y a des fois, quand nous lisons le miracle, ce qui s'est passé, tu te poses la question, est-ce que c'est réellement c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Le lion de la tribu de Juda est grand. Il est capable d'opérer des choses dans ta vie. Il est capable de stopper les cortèges de la mort. Il est capable de stopper les cortèges de la tristesse, de lamentation. Il est capable. Voilà pourquoi je vais demander à l'Assemblée de se mettre debout. Et nous allons prier ensemble. Oh Jésus. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ce qui est mort dans ta vie, dans ta famille. Peut-être il y a un cas qui te dépasse. Il y a un cas qui te dépasse dans ta tête. Tu dis que non, pour ce cas, je n'ai plus la solution. Tu es désespéré. Tu es désespéré. Tu n'as plus la solution. Mais je vais te dire une chose ce matin. Jésus-Christ veut venir à ta rencontre. Jésus-Christ veut venir à ta rencontre. Jésus-Christ quitte Capernaum pour aller à Naïm. Naïm, c'est toi. Naïm, c'est toi. Naïm, c'est toi, cette veuve qui avait perdu son fils et son mari. Et Christ fait ressusciter ce qui est mort en toi. Je ne connais pas ta situation. Mais il y a que le Seigneur qui connaît ta situation. Il y a que le Seigneur qui connaît là où tu es désespéré, là où il n'y a plus la consolation, là où les hommes n'arrivent plus à te consoler, là où les hommes n'arrivent plus à te donner une solution. Mais ce matin, Christ a une solution pour toi. Jésus-Christ veut te compatir à toi. Jésus-Christ veut s'apitoyer à ton sort. Jésus-Christ veut t'accorder sa miséricorde. Il est là. Il est là. Il est là. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas encore une fois élever ta voix pour que le Seigneur puisse te voir, pour que tu puisses rencontrer le Seigneur sur ton chemin. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous te prions, oh Dieu. Seigneur, tu connais la situation de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, oh Dieu. Tu es celui qui avait ressuscité cet enfant. Cet enfant unique. Devant les cortèges, j'avais les cortèges du fils unique de Dieu. Et devant un cortège qui était le fils unique qui était mort. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu avais arrêté ces cortèges de la mort. Et tu as donné vie à ces cortèges. Tu as donné vie à ces cortèges de la mort. Tu as donné la joie à ces cortèges qui pleuraient.
joie. Donne la joie, Seigneur. Donne la joie, Seigneur. À tous ceux qui sont tristes, donne la joie. À tous ceux qui maintiennent la paix, Seigneur, donne la paix. À tous ceux qui sont. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère. Libère. Libère ceux qui sont dans son emprise, mon Père. Libère, oh Dieu, pour ta sainte gloire, mon Dieu. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Parce que tu es celui qui vient de nous dire, ne pleure pas. 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 Ne pleure pas parce que ta situation va changer. Ne pleure pas parce que tu es là, Jésus. Ne pleure pas, oh Jésus, parce que tu es là. Parce que tu es là, Jésus. Parce que tu es là, Seigneur. Parce que tu es là, Jésus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là et notre situation va changer. Alléluia. C'est pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Béni soit ton nom, mon Dieu. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est. Fêtez dans cet instant. Jour de fête, jour d'allégresse, jour de bonheur, jour de ferveur.